Nouvelle édition du journal sur Moto TV, un seul titre à sa une. Un casque bleu de l'ONU a été tué lors d'une attaque contre une base du contingent Malawi Takilia sur l'axe Beni Kassindi. Une attaque intervenue au lendemain de nouveaux affrontements meurtriers entre les FRDC et un groupe de rebelles ZADF dans la même localité. L'armée annonce avoir neutralisé au moins 11 combattants. Voilà, nous venons d'en parler. Au moins 11 rebelles des forces démocratiques alliées ADF ont été tués par les forces armées de la RDC lors des attaques, des affrontements de ces deux derniers lors d'une incursion de ces groupes rebelles à Beni, au Nord Kivu. Il s'agit des combats menés dans quelques villages du secteur des Rwenzori. L'armée congolaise prévient la population sur une guerre psychologique et médiatique planifiée par ces groupes armés pour compromettre des opérations. Le porte-parole des FRDC confirme que ces opérations se poursuivent dans cette zone. Delphine Mupanda nous en parle depuis Beni. Les affrontements ont éclaté dimanche lorsque les forces armées congolaises en patrouille ont intercepté les enseignants ADF qui étaient de passage dans les villages Vuerere et Alungupa. Les combats ont repris ce lundi à Kilia. Les assaillants ont à plusieurs reprises tenté d'attaquer le village environnant, mais sans succès, indique le porte-parole des FARDC. Dans leur tentative, un militaire qui quittait Alungupa pour Beniville a été tiré à bout portant par ses assaillants et s'en est sorti avec des blessures. Son motard ainsi qu'un autre usager de cette route ont été tués et une moto incendiée, confirme la même source. Le soir, l'un des assaillants qui voulait traverser la route Beni Kassindi a été tué, ce qui fait un bilan de 11 assaillants neutralisés en 2 jours, 5 armes en feu et 2 radios Motorola récupérées, précise le porte-parole de l'armée. Ces assaillants étaient tous étrangers, notamment des Kenyans, Tanzaniens, des Ougandais. Au vu de la perte subie, les responsables de ces groupes armés ont organisé une réunion le dimanche dans le but d'échanger des stratégies pour faire diversion en voulant dissimuler l'identité de leurs coéquipiers, ajoute le porte-parole. Les responsables de ces mouvements ont organisé une minable parade au cours de laquelle ils ont pris des stratégies pour faire la diversion et surtout déclencher la guerre psychologique et médiatique. Cette guerre vise à faire croire à notre population que les étrangers qu'on a tués dans leurs rangs combattaient dans notre armée FRDC. Pour préciser à notre population que jusqu'au jour où je vous parle ce soir, les forces armées de la République démocratique du Congo sont engagées seules, alors seules sur la ligne opérationnelle. Cette dissimulation, pour rappel, intervient alors que les autorités congolaises et de la MONUSCO ont annoncé pour bientôt le déploiement des unités d'intervention rapide de l'armée kényane, tanzanienne et népalaise dans la zone. Ces unités vont intervenir pour appuyer les opérations des militaires congolais contre les groupes armés dans la force de la brigade d'intervention Faibi de la MONUSCO. Un casque bleu de l'ONU, membre du contingent Malawi, a été tué le lundi 10 mai dernier lors de l'attaque de la base des forces de la brigade d'intervention FIB par des présumés ADF à Kilia. C'est sur l'axe Beni Kassindi. La victime est une femme. Delphine Mupanda, encore une fois. La base de la force de la brigade d'intervention FIB de la MONUSCO, basée à Kilia, dans le secteur de Rwenzori, a été attaqué par des hommes armés. La victime Chitendi Kamanga, âgée de 28 ans, du contingent Malawi, portait le grade de caporal. Elle était basée dans la force maritime du Malawi, confirme un communiqué de presse de la force de défense Malawi. Elle servait dans la force de la brigade d'intervention FIB, basée à Kilian, où la MONUSCO appuie les opérations contre le groupe armé ADEV. Même si les auteurs de l'attaque ne sont pas précisés dans le communiqué, l'armée affirme un affrontement entre elle et les rebelles ADEV dans cette localité environ toute la journée de lundi, ce qui fait croire que l'attaque aurait été menée par le groupe armé ADEV. Parlons économie dans cette édition. Depuis une année, Kavinyong est une cité côtière du lac Édouard, fait face à un problème de ravitaillement à produits manufacturés. Une situation consécutive à la fermeture de la frontière lacustre et ougandaise suite à la pandémie de coronavirus. Du coup, l'on observe la flambée du prix des biens importés sur le marché. Les commerçants de cette cité appellent les autorités à s'impliquer pour la réouverture de la frontière ougandaise. Moto TV revient de Kavinyongi. Suivez ces reportages rendus par Isabelle Wangaimuka.
Kavinyonge, il vous faut environ 3 heures de voyage à bord des bus pour atteindre cette pêcherie située à la côte ouest du lac Édouard, un lac que le Congo partage avec l'Ouganda voisin. Mais depuis un temps, Kavinyonge fait face à la difficulté d'approvisionnement en produits manufacturés importés après la fermeture de la frontière lacustre des suites de la pandémie des coronavirus. Dans le feu Malekani est parmi les rares commerçants qui osent atteindre l'Ouganda. Il témoigne qu'actuellement, pour parvenir au pays de Yoweri Museveni, il faut 2 jours de voyage dans des conditions pénibles au lieu de 3 à 4 heures qu'ils effectuaient en vain les coronavirus. Nous avons vu que ce mieux est de prendre le bon chemin de Kassindi pour que la population puisse aussi avoir quelque chose aussi à manger. Et le chemin de Kassindi, de Kavinyonge à Kassindi, on peut parcourir un voyage de 24 heures. Nous y arrivons et on va revenir après 2 jours. Mais à Kavinyonge jusqu'à Kayanza, jusqu'à Kato, en Ouganda, c'est une affaire de 3e état. La route est impraticable. Il y a aussi les poubelles de route. D'ici à Mousséa, le sommet Kavinyonge, d'ici à Mousséa, cette route-là vraiment est sécurisée. Il y a aussi des traversées des ADEF. De Kavinyonge à Mousséa, il y a des pillages. De Mousséa à Kassindi, il y a des pillages. À Kavinyonge, cette situation a occasionné la flambée du prix des produits manufacturés sur les marchés. Comme à Kavinyonge, et bien avant, comme les matelas. Les matelas, on l'a amené ici, celui de 4 cm. On l'a amené à Kavinyonge, bien avant, à 25 dollars. Donc, on le vendait à Kavinyonge à 25 dollars, si je peux le dire. Et en ce temps, nous le vendons à 30 dollars. Il y a une différence de 5 dollars. Voilà. Et un bidon de Dirina, on le vendait à Kavinyonge à 50 000 francs. Et à ce temps, c'est 65 000 francs. Les commerçants de Kavinyonge appellent les autorités provinciales à négocier l'ouverture de la frontière ougandaise afin de faciliter le commerce. Il fallait qu'on puisse avoir un bon voisinage. Nous les alertons vraiment de nous aider, nous, population de Kavinyonge et toutes les autres là du lac Édouard, afin qu'on puisse voir de quelle façon négocier avec les Ougandais pour qu'on puisse avoir l'accès et d'arriver en Ouganda. Puisque à Kassindi, dans un camion qu'on puisse voir, les chauffeurs et son chauffeur, le D, ils partent en Ouganda ravitailler la population de Kassindi, soit de Butembo, ils partent en Ouganda avec leurs documents complets, du Covid, des germes, PNHF, ils partent en Ouganda le D. Quand ils arrivent en Ouganda, on fait le contrôle, on dit que vraiment vous êtes dans un bon état, ils emportent les marchandises de la population. C'est depuis mi-mars 2020 que la frontière lacustre du côté ougandais a été fermée. Ce, dans le but de freiner la propagation du coronavirus qui avait touché les territoires ougandais. En santé, chaque mois, la coordination de la léproserie des Moussienen enregistre au moins un cas de cancer de la peau. C'est ce qu'a fait savoir le dermatologue Vaki Omer à l'occasion du début, ce 11 mai, de la Semaine nationale de dépistage du cancer de la peau. Pour lui, l'utilisation des produits cosmétiques contenant l'hydroquinone est parmi les principales causes de cette maladie. Luciana Moussiviwa. Nous nous retrouvons à la léproserie de Moussienene, à environ 15 km au sud de Butembo. Ici, Vak Omer travaille comme dermatologue. En cette semaine nationale du dépistage du cancer, il sensibilise les habitants à faire des examens réguliers de leur peau. Ces examens s'effectuent gratuitement pendant cette semaine. On a constaté qu'il y a dans le monde et qui n'est pas, disons, qui n'est pas suivi. Dans la santé, on ne s'occupe pas tellement de ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un traitement approprié pour les cancers. Alors, on a vu qu'il faut quand même qu'on puisse s'occuper de cette maladie, parce qu'il y a quand même des gens qui en souffrent. Les cancers touchent le plus souvent les adultes. Les enfants, en tout cas, ce serait des cas rares. Mais les adultes, au-delà de 50 à 60 ans, hein,
là, ils peuvent développer les cancers. Ces spécialistes appellent à la prudence dans le choix des produits cosmétiques. Nous avons eu le privilège que Dieu nous a créé. En même temps, c'est notre peau, une couche qu'on appelle mélanine de la peau. Alors, cette couche-là, la mélanine, nous protège contre les rayons ultraviolets. Alors, les gens qui utilisent des produits cosmétiques, par exemple, là où il y a des hydroquinones ou autres, ils taillent leur peau, ils taillent cette couche-là, la mélanine de la peau. Alors, cette couche-là qui protège les gens contre les rayons ultraviolets. Maintenant, quand la couche est détruite, quand la mélanine est détruite, les rayons ultraviolets pénètrent directement la peau et ça crée beaucoup de maladies de la peau, beaucoup de dermatoses. Oui, donc vraiment, il faut éviter les lotions avec hydroquinone. La détection précoce des cancers de la peau offre de meilleures chances de guérison. Chaque 11 mai, l'humanité célèbre la Journée mondiale des espèces menacées. Cette journée vise à sensibiliser le monde scientifique et le grand public sur les dangers des disparitions imminentes que courent les plantes et les animaux. À Butembo, des environnementalistes alertent au sujet des menaces persistantes de la disparition de plusieurs plantes comme les cyprès et animaux comme des caméléons, ce qui présente des conséquences sur l'environnement. L'association paysanne pour la réhabilitation et la protection des pygmées pré-pigs en sigle invite la population au respect de la faune et de la flore pour une gestion durable de la biodiversité. Eugénie Moussivirois. L'association Prépic fait partie des organisations qui documentent les conséquences des activités humaines sur l'environnement. Nous recevons, en marge de la célébration de la Journée mondiale des espèces menacées, ce secrétaire exécutif révèle que Butembo est touché par le fléau. Plusieurs espèces animales comme végétales sont en train de disparaître suite à la pression de l'homme sur l'environnement. Il y avait encore des cyprès, vous pouvez trouver beaucoup de caméléons. Et ces caméléons ont un rôle important qu'ils jouaient parce qu'ils bouffent au même moment les moustiques. Il n'y en a plus. Par contre, il y a maintenant d'autres espèces qui n'étaient pas, qui ne pouvaient pas résister peut-être au froid, qui sont seulement en train d'être vécues en petit nombre. Mais si l'on voit par exemple les aspects faune. Moi, je prends toujours l'exemple du Trosso Butembo, Mangourezi Pau, Trosso Butembo, Massoy. Avant, lorsqu'on quittait ici, que ce soit à pied ou sur vélo, le long de la route, on était en train de voir des singes, même des gorilles. Boutele Zikake Viré regrette que l'homme bubolé soit responsable de la destruction de sa propre nature, ce qui présente d'énormes risques sur l'environnement. Je veux dire que c'est l'homme qui est le grand destructeur de tout ce qui est en train de se décimer. Parce qu'il y a les gens qui sont en train d'utiliser par exemple des produits toxiques pour pêcher, ou encore ils sont en train de rechercher les matières premières dans les rivières. Et là, ils sont en train de contribuer à l'extermination des espèces qui sont dans les rivières. Avec la déforestation, vous comprenez qu'il y a plusieurs espèces de la flore qui sont en train de disparaître. Puisqu'ils sont en train de décimer la forêt et par moments, ils utilisent même les feux pour facilement cultiver leurs champs. Donc, le comportement humain est en train de contribuer à la disparition de ces espèces. Cet environnementaliste indique qu'il existe aujourd'hui plusieurs pratiques à adopter afin d'épargner le reste de la faune et de la flore. L'agroécologie. L'agroécologie permet ou permettra aux communautés qui pratiquent l'agriculture d'épargner le reste de la forêt. Puisque avec cette pratique, ils vont demeurer le plus longtemps possible sur les champs. Et il ne vaut plus avoir la soif de couper de nouvelles forêts. Avec cette pratique, il faut y associer
et le petit élevage, ce qui va aussi les limiter et les exactions du genre braconnage. Dépendre de la forêt pour avoir la protéine animale, dépendre des aires protégées pour avoir la protéine animale, et là, tout a s'exposé à plusieurs risques. D'après une étude de l'Union internationale pour la conservation de la nature, plus de 20 000 espèces de plantes et animaux disparaissent chaque année. La rue Père Jérôme qui va de la Sonas à la mairie des Boutembo ne sera pas asphaltée, en tout cas pas pour le moment comme d'aucuns les passent. Les travaux qui exécutaient l'office des voiries et drainage de la mairie des Boutembo n'étaient que des travaux de réhabilitation de cette rue et non d'asphaltage. Pourtant, le gouverneur Carly avait bel et bien confirmé à la population de Boutembo que cette rue allait être asphaltée. Isabelle Wangaimuka pour plus de points. Janvier 2021, lors d'une tournée dans le Grand Nord, Carly Kasivita, alors gouverneur du Nord Kivu, avait visité la rue Père Jérôme Masumbuko, où l'office de voirie et drainage exécutait les travaux. Une visite d'inspection au terme de laquelle Carly Kasivita avait annoncé l'asphaltage de la rue. Tout en fanya, 1 km 200 Boutembo, attaquant le pesa à Itatosha, pesa à la province. Mimi taongeza yengine pesa kidogo ili tuweze kumaliza hii barabara ikuwe goudron. Juu ya nini? Paske hapa njo d'abord mairie. Makazi yote ya serikali iko hapa. Tribunal iko hapa. Ma prison iko hapa. Kazi mingi iko banafunzi. Il faut tuende na tuko tunatengeneza voirie ya Butembo. Quelques mois plus tard, l'office de voirie et drainage a fini les travaux de canalisation. Mais tout s'est achevé à ces niveaux. Les bibolets ont été autorisés à trafiquer sur la rue Père Jérôme Masumbuko sans qu'elle ne soit asphaltée. À l'office de voirie et drainage, l'un des responsables a indiqué à Moto TV que les travaux qui se faisaient sur la rue Père Jérôme Masumbuko n'étaient que des travaux de réhabilitation et de drainage des eaux. Des travaux entièrement financés par le fonds d'entretien routier et exécutés par l'OVD. D'ailleurs, cette pancarte placée à l'entrée de la rue Père Jérôme Masumbuko renseigne qu'il ne s'agissait que de travaux de réhabilitation. Mais une source officielle, qui a requis l'anonymat, a rassuré à Moto TV que la société Safricas se chargera de l'asphaltage. Elle serait déjà passée pour les études de faisabilité. Mais aujourd'hui, personne ne sait préciser quand est-ce que cette rue sera asphaltée, surtout dans un contexte où Carly Kasivita a cédé son fauteuil de gouverneur à un militaire. L'affaire Gaylor Kanga, le Gabonais à double nationalité, aligné par l'équipe nationale des Panthères, continue à faire l'actualité de la presse sportive. Pendant que les verdicts de la CAF étaient attendus le dimanche 9 avril dernier, l'instance africaine de football avait repoussé sa décision finale pour une semaine plus tard. C'était suite à l'insuffisance des données pouvant aider à rendre sa sentence. Si le week-end dernier, la FECOFA avait envoyé des nouvelles preuves des voyages nationaux de ces derniers, elle a confirmé lundi avoir trouvé aussi la carte d'électeur tenant lieu des pièces d'identité de Gaylor Kanga. Il s'est enrôlé en tant que citoyen congolais en 2006. Ce document d'ailleurs précise la date de naissance du concerné, une date qui a été reculée de 5 ans. Cependant, le Gabo a aussi de son côté envoyé des pièces à conviction. Mesdames et messieurs, c'est par cette nouvelle sportive que nous mettons point final à cette édition journal sur Moto TV. À vous toutes et à vous tous qui l'avez suivi. Je vous dis merci au nom de toute l'équipe rédactionnelle de Moto TV. Au revoir.